Bonjour à toutes et à tous, votre horoscope du 29 septembre. Le message angélique pour ce jour vous dit que l'énergie puissante de la déesse et de mère divine est partout autour de vous. Vous êtes enveloppé d'amour et de compassion. Comme vous savez, le numéro 29 composé du numéro 2 va vous parler encore une fois et va vous soutenir dans la direction qu'en ce moment il y a des opportunités de connexion et d'union, que vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Avec le 9, l'énergie du divin s'éveille à vous. Donc laissez votre âme être votre guide. Donc une journée où vous devez être à l'écoute de vous, où vous devez clairement vous remettre dans les mains de Dieu et laisser faire les choses. Parce que quand Dieu s'amène, tout s'améliore autour de vous. Vos relations vont s'améliorer. Donc là où il y a des crises, il y a certainement des apaisements. Quant à l'horoscope pour les amis Balance, c'est une journée que vous devez faire attention. Peut-être que vous avez auprès de vous une personne malveillante. Certainement, cette personne est une personne qui fait partie de votre vie depuis très longtemps, voire une personne plus âgée que vous, que ne vous vaut pas forcément du bien. Mais vous savez, parfois, ça suffit clairement d'être jaloux qu'on vous envie et tout cela, ça vous bloque. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, mais vous savez que la pensée est très puissante. Donc faites attention à ne pas tout dire sur vous, à ne pas vous confier, surtout si vous avez un doute sur une personne. Pour les amis Bélier, c'est une journée de rencontre, mes chers amis. Le célibat prend fin pour quelqu'un d'entre vous, mais clairement ces rencontres aujourd'hui vont apporter un résultat positif dans des démarches que vous avez effectuées. Si vous étiez en difficulté aujourd'hui grâce à la rencontre de cette personne, que ça peut être clairement un banquier ou une personne en tout cas qui a les possibilités de vous aider, il y a une situation difficile qui prend finalement fin. Il y a un changement pour vous qui est très positif grâce au soutien et à l'aide de cette personne qui sera à l'écoute. Pour les amis Cancer, l'homme parle d'une union officialisée aujourd'hui. Donc clairement, ça parle d'investissement, ça parle de nouveaux contrats de travail, ça parle aussi d'engagement dans une relation, déclarer la naissance d'un enfant ou voir clairement pour quelqu'un d'entre vous une intervention chirurgicale. Clairement, on officialise quelque chose. Bien sûr que cette officialisation, ça peut être clairement aussi la fin d'un contrat, un CDD, voire une rupture, un licenciement ou un départ à la retraite. Qu'est-ce qui est à officialiser aujourd'hui va être officialisé. Et sous le plan médical, c'est une intervention chirurgicale que vous devez affronter avec sérénité. Pour les amis Capricorne, pour vous, l'on me parle de choses qui se mettent en place. Donc, clairement ici, il y a un bonheur à venir à long terme. Clairement, un déménagement pour un nouveau départ ailleurs, un nouveau travail, voire simplement un déplacement pour aller voir quelqu'un que vous appréciez. On se déplace certainement pour demander de l'aide, certainement pour passer aussi tout simplement un moment convivial. Aujourd'hui, ça bouge pour vous. Donc, quand ça bouge, c'est toujours bon signe, les amis Capricorne. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, ça va bouger, ok? Et clairement, il y a quelqu'un qui peut vous aider, donc n'hésitez pas vraiment à demander ce dont vous avez besoin. Pour les amis Gémeaux, pour vous, il est clair que tout ce qui est toxique autour de vous aujourd'hui va être balayé. Si ce sont des personnes qui ne vous veulent pas du bien, si c'est des personnes qui ont une pensée négative pour vous, si c'est des personnes qui essayent d'avoir le pouvoir sur vous, donc de vous contrôler, de décider à votre place, aujourd'hui mes chers amis, tout cela va disparaître comme par magie. Clairement, vous avez une bonne étoile aujourd'hui qui va vous soutenir. N'oublions pas les énergies de ce numéro 29, où l'amour de Dieu sera bien plus fort que tout. Donc pour vous, s'il y a ce désir qu'une personne sorte de votre vie, une situation qui vous met en difficulté, aujourd'hui votre vœu va être exaucé. Pour les amis Lion, pour vous va être une journée où on se sent un peu perdu, d'accord? Il y a une décision que vous devez prendre vis-à-vis
avez une situation qui persiste depuis très longtemps et vous tournez un peu en rond, vous ne savez pas trop quoi faire. Pour pouvoir sortir en fait de cette situation, il faut que vous vous posiez calmement, que vous vous remettiez dans les mains de Dieu, que vous demandez pour recevoir et clairement vous allez pouvoir prendre une décision en conséquence. Le choix que vous devez faire, la possibilité qui s'offre à vous, dépendra de vous, de comment vous voulez agir, réagir et l'effort que vous voulez fournir. La décision vous appartient toujours, mais essayez de faire toujours le bon choix. Si quelque chose ne va plus, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Pour les amis poissons, il est question ici de dévoiler quelque chose à une femme, de se confier peut-être à une femme. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il est temps que vous allégiez votre cœur. Il est temps aussi que vous parlez clairement et ouvertement avec cette femme, d'accord? La femme, ça peut être vous, mais je pense plutôt que vous avez besoin de communiquer avec une femme pour dire qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Je pense qu'il y a de la souffrance pour certains d'entre vous et il y a vraiment besoin de retrouver un peu de tranquillité. Et probablement cette femme peut venir à votre secours. Déjà une oreille attentive pour vous écouter, une épaule peut-être sur laquelle pleurer, mais un soutien qui est nécessaire, je pense, pour une décision que vous devez prendre pour quitter une situation, une relation qui est difficile. Pour les amis sagittaires, on va me parler de rencontres pour officialiser des projets que vous avez ici, hein. Donc peut-être qu'on organise, je ne sais pas, un mariage à venir, un baptême, peut-être qu'on organise la mise en place d'un projet personnel. L'on vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie de continuer, de ne rien lâcher. Par contre, faites vraiment appel à qui est de profession, en tout cas assermenté, pour pouvoir vous faire mener à bien dans ce projet. Donc, des rencontres qui vont être très fructueuses et ne lâchez rien, continuez d'avancer. Il y a des gens qu'en fait, ils s'y connaissent très bien et peuvent vous donner les bons conseils. Pour les amis Scorpion, c'est une très belle journée ici. On me parle vraiment d'éclaircissement, de bonheur, de nouveautés, de nouveaux projets, d'annonce de grossesse, d'un nouvel amour. C'est une journée en fait que elles sont rares, des journées aussi positives où vraiment il semblerait que tout va filer bien, hein, sans aucun embrouille, sans aucun ralentissement. Donc, une journée d'attente peut-être pour quelqu'un d'entre vous, de bonnes nouvelles que vous espériez déjà depuis quelque temps. Mais je pense clairement aussi que grâce à vos efforts, voilà, il y a quelque chose qui prend vie et surtout, je pense qu'il y a une grande paix intérieure pour certains amis scorpions. Pourquoi? Parce qu'on sait clairement qu'est-ce qu'on veut, où on va et qu'est-ce que l'on veut obtenir. Et vous allez réussir pleinement. Donc, de bonnes nouvelles pour vous. Pour les amis taureaux, l'on me parle de souffrance et cette souffrance va devoir partir. Comment vous me direz? Il est temps simplement d'oser. D'oser, certainement laisser derrière soi quelqu'un, quelque chose que malheureusement ne vous apporte plus rien. Pour certains, ça peut être clairement devoir quitter une relation sentimentale que depuis quelque temps est en crise et que, ben voilà, à part vous faire pleurer, vous faire souffrir, ne vous apporte rien. C'est une journée où cette souffrance va prendre le dessus pour que vous soyez prêt ou prête à envisager, à prendre une décision pour mettre fin à cela. Vous savez toujours que vous avez votre libre arbitre, hein, mais quand vous êtes en souffrance, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, il est temps que vous vous les posiez pour que ça s'arrête. Pour les amis Verseau, on me parle d'une belle rencontre amoureuse ici, hein, une nouvelle rencontre que va être très, 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 très chouette. Pourquoi? Pourquoi simplement ici, il va y avoir de la douceur, il va y avoir une connexion. Ça peut me parler aussi d'une visite médicale où on va vous annoncer une grossesse. Ça peut être tout simplement retrouver quelqu'un pour qu'il vous remette les clés de votre nouveau logement. Ça peut être clairement ici une remise de quelque chose que vous attendiez pour couronner un rêve. Donc, je ne sais pas, moi, un nouveau contrat de travail, donc des rencontres avec des professionnels du travail, ça peut être clairement un nouveau départ dans votre vie. C'est de la nouveauté, c'est des bonnes nouvelles, donc préparez-vous. Si vous deviez déménager, vous attendiez des réponses pour des logements, voire des clés aujourd'hui,
Vous pourrez préparer vos bagages. Des bonnes nouvelles pour les amis Verseau. Quant aux amis de la Vierge, pour vous, vous devez persévérer. Oui, vous devez persévérer, vous ne devez pas abandonner. Clairement, si vous voulez avoir des résultats positifs dans les démarches que vous avez entreprises, si vous voulez en tout cas pouvoir réussir à mener à bien un projet, une idée que vous avez eue, il faut persévérer, il faut continuer, il ne faut rien lâcher. L'on vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie, donc continuez, n'abandonnez pas un chemin. Ok, certes qu'il y a peut-être des difficultés, mais chaque difficulté va être surmontée grâce à vos efforts et à votre volonté de réussir. Voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à demain.